Pom 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 pom. Oh, tiens, qu'est-ce que vous faites là, les amis? Oui, 19h. 19h en lundi en plus. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que ça veut dire? Une nouveauté ou un gros titre? Vas-y, tiens un doigt. Ah, nouveauté, on va dire. Non, en fait, j'ai triché, il y avait un troisième doigt, c'est une preview. Et en fait, on va partir dans un jeu qui tease pas mal en ce moment, qui s'appelle Omno. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, vous avez peut-être vu des visuels ou des vidéos. Et vous vous êtes dit, Damned, ce jeu me rappelle d'autres choses. Et forcément, la première qui vient, si vous voyez une vidéo, un trailer de ce titre, la première chose qui vient à l'esprit, ça va être Journey. On sent que le gars était quand même fan. Alors, je me permets de dire le gars parce que, bah oui, c'est le boulot d'une seule personne. Et apparemment, c'est déjà pas mal. Et si en plus le gameplay s'avère aux petits oignons, le gars va nous faire une performance, comme on dit. L'autre chose que ce jeu Omno peut rappeler, c'est Hob. Alors Hob, je l'ai chroniqué. Vous regarderez dans les streams, il y a même une playlist complète où vous pourrez vous le spoiler en entier. Parce que Hob, oui, c'est un côté monde ouvert, Metroidvania, avec un graphisme qui est vraiment super génial, hein, si c'est votre style. Si vous êtes dans les bons quadras, qu'on lu des métal hurlants, je pense que Hob va vraiment vous taper dans l'œil, quoi. Et le jeu, en plus, est super bien. Donc, Omno, voilà ce qui m'a évoqué quand j'ai vu les premières images de ce titre. Et je vois, on va avoir le droit d'aller mettre le nez sur l'alpha. Et oui, ça évolue, hein, The Big Gamoski. Oui, moi aussi, je m'épate des fois. Alors, il faut juste que je fasse mon petit setup à l'arrache. Et je pense que j'aurais pas de fail aujourd'hui parce que j'ai le groove avec moi. Vous avez le groove aussi? Allez. Ouh, putain. Manquerait plus que le son soit parfait. Et je serai aux anges. Alors, comme c'est écrit hein, sur la démo, oui, c'est un travail qui est en cours. Il n'y a rien qui est vraiment représentatif et certifié comme tel qu'il apparaîtra dans le jeu final. C'est un projet en crowdfunding. Donc, le truc est juste là pour faire voir l'idée. Maintenant, ce que ça va devenir, oui, il y aura probablement de gros, gros changements. On y va. Si j'ai déjà lancé la démo avant, non, 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 je vous dis, je fais la capture, donc c'est vraiment le premier lancement. Je vous ai gardé cette exclusivité pour la partager avec vous, quoi. Alors, le pépère m'a foutu en 1920. Non, je suis en QHD là, c'est pour ça que ça rame un peu. Alors j'espère que vous avez du son. Je me suis remonté le son moi aussi, indiscretos. Donc, ouf, oui, je rappelle, j'ai pas une babasse de compète, hein, donc normalement, rassurez-vous, ça doit tourner beaucoup mieux chez n'importe qui d'autre. Et puis, de toute manière, le jeu est en alpha, il est toujours pas optimisé puisque c'est ce qu'on fait en dernier les aminches, donc faut pas trop en demander. C'est juste pour poser l'ambiance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce jeu? On peut se déplacer, on peut sauter, ça me semble normal. Ok, tu gardes appuyé, tu sautes plus loin. Je vais regarder avec Escape quand même si je peux pas accéder à un petit setup juste pour descendre la résolution. Et non. Bon, tant pis pour Max. Donc désolé pour le manque de fluidité, hein. C'est ma babasse surtout. Qui est un petit peu en mode. Salut, c'est babasse grand-mère Simpson. Et je voulais faire un truc, mais je m'en rappelle plus quoi. Fallait que je lance ce programme. Oui, je fais super bien les vieux de Simpson maintenant. Ce n'est pas drôle. Alors voilà ce qui m'a fait penser à Hob. C'est ces graphismes un petit peu géométriques, mais qui restent quand même à décrire idéalement ce qu'ils doivent décrire.
Ok, dommage que je sois pas super fluide, hein. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez absolument rien vu. Il ne s'est rien passé. Il n'y aura pas de replay là-dessus. Oui, monsieur K, tu es un dieu de la plateforme, on le sait. J'en entends encore qui rigolent. Mais t'as vu que je vais prendre de l'énergie en... Je peux taper? Non, je peux pas taper, pas taper. C'est bizarre ça. Ah. D'accord. Ah, la curiosité, c'est pas un vilain défaut. Depuis le temps que je le répète dans les streams en plus. Alors même sur la musique hein, derrière. Oui, on a un petit côté de journée quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est que je vois là-bas? Je vois une chose qui bouge. Je vois une chose qui va subir ma présence. Pas hostile pour l'instant, mais, va savoir. Des lapicrabes. Et d'accord, et je leur pique leur énergie donc. Ah oui, là c'est trait de journée parce que ça. Bah, vous remplacez l'écharpe du personnage que vous aviez dans journée par ce bracelet lumineux et je pense qu'on s'y retrouve. Je sais pas. Il y a un petit R2, hein. Non, on va faire un tour là-bas. Parce que je suis sûr qu'il y a déjà un passage caché. Alors qu'on est sur une alpha, je le rappelle. Alors, tu peux sauter, tu peux faire des plus grands sauts si j'appuie plus longtemps, mais tu n'es pas Lara Croft, hein. On va pas se faire d'illusions quand même. Oh, mais c'est des lapipins! Oui, ça y est, j'ai le syndrome Pokémon moi aussi. Je ne t'autorise pas à grouiner. Des lapipins, c'est bien ça. On reconnaît le lapipin à son intelligence notoire. Donc bref, tout ce qui a un peu de lumière, je dois aller le squatter pour récupérer de l'énergie. Plop, plop, plop. Ok. Un truc là-haut il y a un truc, il y a un truc là-haut il y a un truc. J'y arrive pas. Je suis pas un Sonic le hérisson. C'est con. J'ai mes clés qui me... Eh oui, mes clés encore, elles m'embêtent. D'accord, donc il y a des trucs à trouver. Je pense que plus tard, il va y avoir de la vara à pas faire. Regardez-moi ces niveaux. De la corniche comme ça, c'est fait pour être visité, quoi. C'est un appel. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à voir dans le coin? De toute façon, c'est un sac de cul. Ça se tenterait, hein. Oui, mais tu es trop bas, trop petit, trop faible, tu ne fais pas des bons assez grands, mon pauvre petit... Comment vais-je t'appeler d'ailleurs? C'est quoi ton nom? Machin, allez. Va pour machin. Pendant que je me balade, je vais quand même vous détailler 2-3 trucs sur le jeu. Parce que j'en sais pas plus que vous, hein, je découvre en même temps. Mais du coup, ce que je suis en train de faire là, bah, vous allez pouvoir le faire vous-même. Et oui, il y a une démo dispo. Alors, je vais vous décrire, pendant que je me balade, hein, le moyen d'accéder à cette démo, puisqu'on peut pas la télécharger directos. Il faut aller sur le site du développeur et s'inscrire à la newsletter. Et là, une fois que vous aurez validé votre email, oh joie!
vous recevrez sans aucun doute un courrier, un email, qui vous indiquera l'URL pour télécharger votre démo. Elle est pas belle la life? Ouais, non mais je sais, TBG, j'arrête pas de m'améliorer. Je pense que le contrat de TF1, je vais pas le signer, quoi, c'est trop petit. Oui, je vais aller sur BFM TV. Plop. C'est exactement ça, plop. Ça va bien avec cette chaîne. Ils font un petit peu le même bruit. Donne-moi ton Energy. Alors, je sais pas combien il faut récupérer d'énergie, là. C'est, j'ai l'impression de tourner en rond. Puis j'aimerais bien voir cette map, parce que là, je sens que je vais pas tarder à avoir mon effet blond. Et je vais commencer à réellement tourner en rond. Et là, les viewers vont être tristes. Faut que je trouve les 4 tomes de cette merdouille. Il y en a 2 que j'ai cru entreapercevoir en hauteur. Et ceux qui étaient en hauteur, ben voilà, ils sont en hauteur. Ça doit être ça là-haut. Non, c'est des trucs qui tournent. Je sais pas. Bah, pour une démo, il a pas fait un truc infernal quand même, le gars. Il a pensé aux handicapés comme moi. Bah oui, parce que souvent, on va faire comme le chemin nous invite, voilà. On va suivre les restes de ruines dans le parcours logique qu'ils auraient eu. Et là, tout va devenir limpide. Mais oui, bien sûr. Donc, vous avez bien pigé pour la démo, en attendant. J'ai pas besoin de redire. Donc, le lien vers le site du développeur, bah, il est dans la description de la vidéo. Hein. C'est juste en dessous. Mais restez, regardez. Oh là là, vous êtes pressés. Regardez, ça va peut-être être long inutilement. Non, c'est des sphères, c'est pas les bouquins. Donc les bouquins, ils doivent être quelque part au sol, si on est logique. Il va pas me faire faire des trucs, alors que je n'ai pas déverrouillé quelque chose qui me permettrait de faire autre chose. Vous voyez mon raisonnement? Non, pas du tout, je ne suis pas clair, c'est normal. Une touche pour courir, ça aurait été super bienvenue. Parce que là, je suis un peu tristesse. Et vu que je tourne en rond, là, c'est le deuxième tour que je suis en train de faire sur ce plateau, je sais pas. Je le sens pas. Je vais faire un petit saut dans le précipice, histoire de varier avec plaisir. Non. Vraiment, sans façon. Ah, oh là. Bon, plus qu'un, le dernier, c'est toujours plus chiant, c'est connu. Alors, où c'est que j'ai pas été traîné mes guêtres? Et les lapiches blurf, vous avez pas vu un truc qui ressemble à un bouquin? Un peu rectangulaire. Qui tournait sur lui-même. Ouais, dans le vide comme ça. Non, vraiment. Oh là là. Pas de générosité pour les visiteurs. Là c'est où je suis venu tout à l'heure. Donc c'est. Oui, bah je refais exactement le même tour. Hein. C'est un tour gratuit les amis. J'aurais pu vous le faire payant. Le premier qui voit un bouquin, crie, un truc rectangulaire, qui tourne sur lui-même. S'il vous plaît, maintenant, je le veux maintenant, maintenant, pas demain, maintenant. Now, today. Ah là là. Damne. Je crois que j'ai fait toutes les versions de Damne, là, il y en a d'autres encore. Non. On a dû toutes les faire, alors. J'inspecte, parce que c'est moche de tourner en rond pour un truc, mais c'est ma grande spécialité, hein. Les fidèles l'auront remarqué sans le moindre problème. Je vais prendre un bon point de vue, et là tout va s'éclairer, ou pas. Je trouve pas un quatrième, il faut m'aider. Purka. Bon bah. Hein, il reste plus que ça à faire.
Je plaisante, c'est mal les enfants, ne faites pas ça. Regardez les vieux le faire, c'est plus drôle. Oh, c'était méchant! Voilà, pour la peine. Qu'est-ce que... T'as pas pote! Ça y est, tu t'es rendu compte un peu que j'étais à la masse? Ok, super. Bon, on va faire ce que t'as dit. On va faire exactement ce que t'as dit. Oui, bah, tu t'affiches un peu lentement. Bah, tout a changé là. Hop, 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 doucement, mon gars. Attends, attends, attends. Voilà. Bon, désolé. Et j'ai le dash, c'est... Oui, ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi, c'est pour ça que je... Bah oui, c'est ça, les vieux. Oh, putain. Il y a de l'idée. Ça va venir. Un petit peu d'entraînement, hein. C'est comme SSX au début. Oui, il me fait voir ça. Mais j'ai bien compris que voilà, comme dans les jolis niveaux de Hob, désolé, mais c'est la référence adaptée. Merde. Oh, putain. Mais non, mais... Et donc je disais que comme dans Hob, on va être obligé de faire un peu de varap. Ah, ta mère. Vous n'avez rien entendu. De quoi le ta mère? Oui. Bah, ça me fait toujours un goût amer dans la bouche quand je me rate comme ça. Ça m'énerve un peu. Oui, je suis un roi de la plateforme. Tout le monde le sait. Ma réputation précède dans le monde entier. Bon, même aux confins de l'univers, j'imagine. J'ose plus trop bouger en fait, parce que j'ai peur de me vautrer pendant le stream. C'est trop, j'y arrive pas. J'ai encore mes clés qui m'ont dedans. Mais du coup, je suis zibé. Il doit y avoir un autre passage. Bah non, pas du tout. Donc soit t'es un abruti, tu sais pas monter à ça. Soit. On ne le saura jamais. Oh, la boulettitude. Ça pouvait passer, hein. Moi j'avais de grands espoirs quand même. Madame, arrête de faire aou aou. Je viens de me mettre une méga boîte, j'ai mal au genou. Dis des trucs là, je vais manger. Je me venge sur vous. Désolé. Bah oui, mais ça arrive. Je suis full, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus d'énergie, je peux plus prendre ça, ça sert à rien. Il y a une logique entre les trucs d'énergie et tout le patin couffin. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ce device? Parce que s'il se met pas là, il se met peut-être ailleurs. On va faire ça de manière très cartésienne. Alors, mon chemin où je m'amène de l'autre côté. Et là, au miracle, je vais avoir un passage. Ou si je fais pas trop le boulet. Arrêtez de rigoler, je vous vois sur le stream. Attends. Non! Le premier qui marque dans les commentaires que je suis la réincarnation de Marcus, il va passer un seul quart d'heure, je vous le promets. Je vous promets un seul quart d'heure. Ne faites pas ça. Ah bah ça va être beaucoup plus pratique. Maintenant je n'aurai plus qu'à sauter sur celui-là qui, une fois en haut, il faudra que je saute et que je strafe encore. Ok. Allez, vendu. Donc on voit que le jeu quand même c'est compréhensible par un môme de 5 ans, hein, mais que moi je galère. Vous êtes bien dans The Big Gamoski, le mag des midlife gamers. Et les midlife gamers, ils sont fatigués apparemment. Hein. Ils gèrent plus rien. Je peux avoir une autre boule? Non, faut que je désactive. Ok. Ça c'était un peu gratuit comme aller-retour les gars. Et j'amène mon chamallow. En fait je vais faire tout le jeu avec le même chamallow, dites donc. Et jamais je vais pouvoir le bouffer, c'est triste. Tadam.
Yaha! Oui, apprends à temporiser tes sauts. Hein. Tu sautes d'abord, tu réfléchis, et après tu y vas. Voilà, ça c'est parfait, ça. Là, quand tu fais ça, t'es bien. On ne rigole pas. Regarde-moi ça, cette perfection. Checkpoint. Alors, je n'ai pas le chat, et de toute façon, je ne suis pas en live, c'est un enregistrement. Mais là, je vous aurai sur le chat. Oui, je vous entends, je vous vois, et je vous juge. Et même si j'ai tort, j'ai raison. Jouer. Alors là, il est super sympa parce qu'il a pensé au boulet comme moi. Et donc, il a fait, non, mais lui, on va pas le faire tout remonter. Son stream qui devait durer une demi-heure, il va durer 5 heures. Iche! Iche! Ah, y a un piège quand même. Iche! Et attention, attention. Ta merde. Te viande pas sur le dernier. T'es pas chez Marcus. Non, tu n'es pas chez Marcus. Sors de ce corps. Ah ça, faut mettre le strafe, sinon ça passera jamais. Arrêtez de rigoler, ça me fait rigoler aussi. C'était limite, hein. Mais putain, c'est pas fini, oh bordel. Je veux un checkpoint, je veux un checkpoint s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sinon je dis que ce jeu il est pas bien, attention. Ça c'est un normal, oui. Normal. Et là c'est... Ah, les difficultés psychomotrices chez les vieux, c'est quand même marrant. Ah, checkpoint. Il est un peu loin dans le checkpoint. Hein. Tu sais qui s'est fait appeler Désiré, celui-là? Aïe, 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 aïe. On monte pas plus haut, les gars. Hein. J'ai le vertige. Focus sur View on the Port Stone. Ok, je focus. Ça y est, je suis dessus, regarde. Et je peux me téléporter, vraiment. Ça va pas faire mal. Il n'y a pas de mouche, rien. Ok. Et ça déconne pas, hein. Eh ben, dis donc. Donc, monsieur, j'ai perdu ton nom, monsieur le développeur. T'as fait ça tout seul? Alors, déjà, on va le dire, hein, on va pas trahir un secret industriel. T'as de bonnes inspirations. Hein, parce que vraiment, le. Ce style-là qui mélange bah, des grands jeux, des noms qu'on peut mettre très facilement là-dessus, bah, c'est quand même classe parce que ça nous fait une belle compile. Donc si le gameplay est aussi malin que ça tout le long, voire plus. Ah oui. Alors je vous rappelle que le projet est en plein crowdfunding. Donc mettez-vous sur la newsletter, chopez la démo, essayez-la dans votre coin. Et puis, si ça vous plaît, pourquoi pas filer un coup de main? Mais on va pas se quitter comme ça, les amis. Eh oui. Yaha, je vous avais promis du SSX. Eh ben maintenant, voilà. Wouhouhou! Yéhi! Ah, vous y croyez pas, hein? Alors, j'ai pas pigé quoi faire avec ça. Pas un strafe. Faut le prendre dans un certain sens. Oui, alors je sais, c'est un peu n'importe quoi là. Mais bon, le gars, il est en alpha. Hein. Donc là, il a des idées, il est en train de les présenter. Libre à vous d'imaginer ce qui va se passer, quoi. Mais pour l'instant, barré comme c'est surtout du bien qui va se passer. Alors la musique là, c'est Total Wintory derrière. Hein. Je sais pas si vous avez fait Journey. Si vous ne l'avez pas fait, c'est un grand tort parce que si vous aimez les jeux zen comme ça, c'est vraiment top.
Et la musique d'Austin Wintory bah, avait d'ailleurs remporté des prix, hein, je pense, dans pas mal de trucs. Allez, on va se laisser sur ce trailer, tiens, tant qu'à faire. Voilà, c'était Hi, donc my name is Jonas Manke and I'm the solo developer behind Omnibus. La version I started alpha. working on Non, Omnibus c'est 2 moi years qui ago. parle, monsieur. C'était donc la version alpha de Omno. Un projet qui promet d'aller très loin si ben, on supporte son initiateur pour le permettre de s'entourer des bonnes personnes et de ce qui lui manque pour faire aboutir le projet tel qu'il l'imagine. Apparemment, ce qu'ils nous partagent là, c'est pas dégueulasse. On n'a qu'une envie, c'est que on ait très très rapidement bah, de nouvelles infos à propos de ce projet. Voilà, je vous laisse en vous rappelant que le lien bah, vers le site du dev est dans la description et que vous pouvez participer au funding si le jeu vous semble assez excitant. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles et je vous donne rendez-vous demain 19h. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao!